Bonjour à tous, c'est ici Cléa Sim. On se retrouve pour ce 95e épisode sur Crusader Kings 2 avec l'Empire Arabide. Alors, je vous avais dit dans le précédent épisode, on avait réussi l'achievement de repousser les Aztèques, mais il reste un achievement. Alors, cet achievement, c'est en fait d'aller conquérir la Mongolie. La Mongolie, juste avec. En partant d'un territoire de l'Est, de l'Ouest. Alors. Cet achievement, il est plutôt long à réaliser puisqu'il faut faire des guerres, etc. Traverser tout le territoire, c'est très très long. Je ne pense pas le réaliser, donc il est fort possible qu'on s'arrête là pour cette série à la fin de cet épisode. Tout simplement parce qu'on a réussi vraiment tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire repousser les Aztèques, ça c'est fait. Reprendre l'empire de Charlemagne, ça c'est largement fait, il n'y a plus vraiment de problème. Il reste quelques petits comtés de là, comme celui-ci qui appartient au Bektachi, mais ce sont nos ordres religieux. Donc d'un côté, théoriquement, on pourrait essayer de lui proposer la vassalisation et il devrait pouvoir. Alors pour l'instant, il n'est pas considéré comme territoire de jure. C'est normal. Normalement, les Bektachis sont plutôt ici. Mais vous voyez que bon, on a conquis quand même une grande partie de l'Europe. Et qu'on fait plus grand que l'Empire romain. Donc, à part l'Égypte que l'on ne possède pas, on a fait suffisamment. Donc, c'est pour ça que je pense que cette série s'arrêtera sur cet épisode-là. Puisqu'il reste plus grand-chose à faire non plus. Et ça devrait aller. Je pense qu'on a quand même pas mal progressé. Donc, pour ce faire, on va quand même continuer l'épisode tranquillement. Et on va pouvoir avancer. Alors. C'est lequel? Ben, d'accord. Voilà. Bah, tu rejoindras pas de ce genre de choses et ce sera parfait. De ce côté-ci, les coutumes religieuses vont pouvoir être augmentées. Ce sera très bien. Les vassaux religieux vont m'apprécier un peu plus. Et donc, bah, maintenant, il va falloir donc peut-être attaquer cet homme-là, qui se fait attaquer par lui pour Athènes. Qu'est-ce que t'as? Ah, t'es un catholique et on attaque Athènes, donc ça te plaît pas. J'ai de l'ost de levée. Ah oui. En effet, j'ai de l'ost de levée. Donc, si, dire que si je te déclare la guerre pour. Ça, guerre sainte pour Alani, tu vas pas être content, bien évidemment, et j'aurai tout le monde sur le dos. Sauf que tout le monde, ça me dérange pas. Et donc, on va t'envoyer 40 000 hommes, le plus naturellement possible, bien sûr. Alors, on va aller sur Tana, qui est le plus proche, et on va aller faire la prise de territoire, et on devrait avoir le 100% rapidement. Donc, le but, hein, c'est d'éliminer cet homme-là. Et que ça se passe au mieux. J'aimerais bien que cet assassinat se fasse quand même. Ce serait gentil qu'on puisse le terminer. Oh! Bien, on a trouvé des hiéroglyphes. Donc le savoir ésotérique progresse. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des rébellions un peu partout, il y a des chiites aussi un petit peu encore, même si c'est pas le plus fabuleux qui puisse exister ici, c'est déjà ça. Ça, on devrait pouvoir prendre. Ma femme est enceinte, alors en espérant que ce soit pas la femme, l'enfant d'un autre, hein, parce que alors, le nombre de personnes qui draguent ma femme, c'est quand même monstrueux. Bon, les Bakrides se volent leur territoire entre eux, tout va bien. Alors, il y a un achievement qui serait de mettre tout le conseil avec des personnes qui sont
qui veulent, pardon, être qui sont loyalistes. Pour l'instant, bon, on a surtout des pragmatiques, mais ça pourrait être intéressant à essayer de le faire, cet achievement-là. Ça ne demande pas trop de temps et c'est pas le plus complexe non plus à réaliser. Bon, il y a un petit problème à Sacastra, ok. Alors, comment ça se passait? Voilà, bah c'est fini. Merci. De ce côté-ci. Voilà, comme ça c'est parfait, juste ce qu'il faut. Cet homme-là va récupérer, accorder le titre de Kuma et accorder le titre. Voilà. Ce sera très bien, comme ça augmente sa puissance. De ce côté-ci, on accepte le mariage. Alors, on peut aussi fermer les portes, par exemple, parce qu'on a ce genre de choses. On va fermer les portes et s'il y a quelqu'un qui est malade, on va juste le virer. Il y a un achievement qui est lié à ça que je n'avais pas. Je pensais l'avoir, mais apparemment non. C'est pas bien grave, hein, mais ce sont des achievements à gérer un petit peu. Alors c'est surtout à faire normalement quand vous avez la peste par exemple. Foutre dehors quelqu'un et puis après bon voilà c'est... C'est juste temporairement... Voilà. Voilà qui est beaucoup mieux. Oh, on a quasiment tout hein. Un bon travail de construction. Il nous reste encore quelques années encore. Engager quelqu'un pour découvrir. Non. La confiance en elle, même si voilà. La vie en réclusion n'est pas si mal. Après avoir terminé un petit déjeuner copieux, vous vous éructez de contentement et remarquez le bien fondé de votre prévoyance en vous assurant que le garde-manger de Barchiluna était bien approvisionné. Cependant, à peine les mots sortis de votre bouche, vous apercevez le regard paniqué de votre domestique. Mon Bacha, vous venez juste de manger la toute dernière tête de sanglier, et toutes nos autres réserves de nourriture sont presque épuisées. De plus, votre domestique continue à ânonner, mais vous êtes trop sous le choc pour écouter. Plus de tête de sanglier? Donc, la nourriture restante est à 5. Donc, bien sûr, si on a quelqu'un qui est malade dans la famille, il ira retrouver la porte. Et on va éviter le cannibalisme, pardon, on ouvrira. Ouais, on peut même ouvrir la porte dès à présent, hein. Clairement. Ouvrir la porte, ce sera très bien. L'Épire vient d'être usurpé. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu veux usurper la Khazarie. D'accord. Ça serait bien que cet homme-là se rebelle, mais il a plus trop d'argent, etc. C'est un peu... Qu'est-ce qu'il est, ce petit Khalil? Est-ce qu'il est intéressant? Oui, il est très intéressant même. Histoire d'assurer peut-être la succession. Est-ce que cet homme-là réussit sa guerre? Voyons voir. Non, il est en train de perdre contre G le chasseur. Et de ce côté-ci, il est en train de gagner, d'accord. Non, je ne le permettrai pas. Mieux quand même, hein. Beaucoup mieux.
de ce côté-ci. On va gagner un peu d'argent. Parce que l'argent, ça fait pas de mal. Est-ce qu'on a des possibilités de chercher des ingrédients? Non, mais de faire un théorème. On va essayer de recopier sur un article, voir si ça peut nous apporter. Alors ça, on peut se faire découvrir hein, pour ce genre de choses. Mais moi, ça, là, ça m'a fait marrer, donc on va le tenter. Non, il est maladif, cet enfant-là. On a fini un tuteur guerrier bédouin, ce sera parfait. Tiens, il y a la papauté qui est là. Qu'est-ce qu'elle fout là, la papauté? Pourtant, ils ont pas de territoire. Ok, cet enfant-là semble pouvoir résister et ne pas décéder, donc ce sera très bien pour le coup. Toi, tu veux prendre Palmyre et de ce côté-ci pour obtenir Médine. Ok. Bah, bonne chance, hein. Bon, ça devrait aller. Celui-là est ici. On va pouvoir le faire progresser. Piste chamelière. Non, pas forcément, mais la casse-bas, oui, plus d'argent. Fera pas de mal. Et toi, tu vas obtenir l'Azerbaïdjan, d'accord. Allez, on envoie l'article de ce côté-ci, c'est mon vassal ou pas? Oui, on va accepter, ce sera très bien. Ça va, ça accepte assez facilement, donc ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut trop déclarer la guerre, toi? Je suis en paix avec toi, hein. Donc c'est non. Si tu veux. Par contre, il y a du mal, hein, pour la construction. Est-ce qu'ils arrivent à obtenir l'indépendance avec tout ça là? Parce que c'est bien gentil, mais ils sont à 6% et ça bouge pas. Là, ça va obtenir Calabroquet. Oui, bah bien sûr, bah oui, ça va qu'on doit construire un laboratoire. Alors, le laboratoire, on l'a construit tellement de fois. Que je me demande si comment les autres n'ont pas trouvé encore l'élément. On va parler au faux soleil. Et là, ça arrive en avril 61. Donc il y a encore plusieurs mois avant que ça ne se termine. On perd en intendance. Ça m'intéresse un peu moins de perdre en intendance, mais soit. On va devoir faire avec. Ah, d'accord. Je vais m'enlever ça de moi. Ceci. Cet homme-là, est-ce qu'il veut bien décéder?
Ok, c'est son fils qui a hérité. Son père est décédé de quoi? D'anxiété morbide, d'accord. Et la même famille, hein. Des Gironnes et là c'est un deux Gironnes, donc théoriquement non. Théoriquement, il devrait pouvoir. Ça devrait pouvoir hériter entre eux. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est bon. Alors, est-ce que ça progresse au mieux? Ça devrait, théoriquement. Lui, on va le faire assassiner. Dans la mesure du possible, s'il peut ne pas avoir la Bavière, je prendrai volontiers. Alors, donc ils sont tribaux. Ok. Voilà, on donne un peu d'argent et de quoi progresser. Muraille du château, muraille du château, ok. Ah, t'as bien de l'argent quand même, ouais. Ah non, il a quand même 500 pièces en moins. C'est beaucoup, 500 pièces en moins. Est-ce qu'on peut lui faire un petit cadeau? Pas l'emprisonner celui-là. Allez, on va essayer le coup du banquier. Alors le problème c'est que lui, je crois qu'il est paranoïaque. Non, même pas. Il ne l'est pas, il est blessé, blessure grave, il est manchot, il est déprimé. Voilà, ça fait plaisir. Bon, ils sont pas contents, mais je m'en moque, il est mort. Et ça, c'est important, parce que depuis le temps que cet homme-là a essayé de récupérer ce titre. Ça commençait à être pénible. Donc comme ça au moins bah, il n'y a plus de problème. Il ne revendiquera plus rien du tout. Donc défaite hein, de ce côté-ci de ceux qui voulaient l'indépendance. Bon, ma femme est...
Alors, cet enfant-là, on va le mettre à la guerre. On va lui assigner un tuteur guerrier. Est-ce qu'on en a un bon là? Je suis parano, ouais, je suis parano. Bon, faut pas dépenser tout le temps 5 pièces d'or pour ça, mais. On sait que nos femmes nous trompent, hein, donc de toute façon. L'eunuque qui est censé surveiller les chambres, il doit pas savoir y faire. Hein. Bah tiens, vas-y, ça sera bon. Alors, voyons voir un petit peu nos vassaux. D'ailleurs, une dernière fois. Donc, bon, grosse révolte ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on a l'Andalousie avec la Mauritanie, l'Ifriqiya et le Mali qui tient le sud, enfin le sud-est de le sud-ouest de l'Empire. Nous avons les Cézennes qui tiennent les îles britanniques, à savoir Pictland, l'Angleterre, l'Irlande et le Pays de Galles. Nous avons la Saxe et le Danemark. Alors je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est en train de se partager les différents royaumes de là-bas, ça m'embête un petit peu. Nous avons le royaume d'Austrasie qui tient très bien de ce côté. Austrasienne, qu'est-ce que c'est que ça? Maison sale Tessine. Ok, qui est devenue bédouine, au départ elle était française. Nous avons les Bakrides qui tiennent ici. Nous avons les Mahdi, donc sur la Bourgogne. Bédouins aussi. C'est bien, il y a pas mal de Bédouins. Nous avons les Français sur la Germanie et la Bavière, ainsi que la Pologne, pour le coup. Nous avons l'Italie qui possède également donc la Sicile et la Serbie. Donc là, grosse prise de territoire également. L'Italie d'ailleurs qui est en train d'intégrer pas mal de territoires supplémentaires, donc pourquoi pas. Nous avons également donc la Khazarie qui a des territoires un petit peu de partout. Pour le coup c'est un petit peu le boxon. Nous avons les Basinides qui tiennent la Grèce, l'Anatolie et une partie de l'Arménie d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont... Ils ont la Bulgarie aussi d'ailleurs. Et nous avons enfin le dernier, c'est-à-dire les Kindides, qui ont la Syrie principalement. Enfin, ils ont le royaume de Tripoli et une partie de la Syrie et de l'Arabie. Donc là, on a quand même des vassaux qui sont un peu de partout. Il nous manque vraiment que l'Égypte. Hein. C'est vraiment le dernier territoire qui nous manque pour obtenir tout le pourtour de la Méditerranée. Mais on aura fait un bon gros travail dessus. Il y a encore des duchés à créer un peu de partout. Sur le bûcher du sultan, d'accord, bah fallait pas. Ouais. Et en termes de religion, on fait un peu le ménage quand même, hein. Alors là c'est quoi? C'est orthodoxe chrétien. Ah, il y a quasiment plus de catholiques, hein. Les catholiques ont pris une grosse claque. Il reste un peu de catholiques de ce côté-ci, mais sinon vous voyez que les cathares, hein, il y a des hérésies un peu de partout. Donc ça a fait un bon travail. Nous avons quelques chiites de ci de là, hein, notamment par ici d'ailleurs. Ok, et en niveau culturel, alors nous avons les Andalous qui tiennent, les Bédouins qui ont pris la plupart de la France, et bah ça se tient. Hein. Bon, encore les Grecs qui tiennent ici, mais cet homme-là est de. Ouais, Andalou. Pourquoi pas? Brabant. Et... Allez, on va sauver, on va essayer de sauver en tout cas les enfants.
croisade pour l'Italie. Ah bon, bah si tu le dis. Je crains pas grand-chose pour le coup, mais soit. Viens chercher l'Italie, hein, mon cher pape. Allez, on brûle. Il y en a un, je crois, qui va finir dans les oubliettes ou pendu au écourt. Parce que ça fait plusieurs fois que... Apparemment, il y a des kaffirs un peu de partout, mais ça n'a pas l'air d'être dans la famille, donc tout va bien. Ou alors, c'est pas dans ce coin-là de la famille, donc tout va, ça me dérange pas. Je deviens lunatique, ça c'est un peu plus dommage pour moi. Vraiment bien plus dommage, mais bon, nos savoirs progressent, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça avance même plutôt pas mal. Et on pourrait peut-être terminer sur une dernière guerre, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de guerre vraiment intéressante non plus. Ou est-ce qu'on peut partir en guerre contre la Russie? Faire une invasion de la Russie pour terminer. Le problème c'est que c'est... ouais, c'est ça, invasion de la Russie, mais pff, le territoire est loin en fait. C'est surtout ça qui est pénible. C'est que c'est loin à obtenir. Et ça demande d'aller. On pourrait faire pour la Finlande. C'est vrai qu'à la fin du jeu, vous pouvez y aller carrément pour des invasions à droite à gauche. Hein, qui peuvent permettre de progresser. Allez, encore des catholiques. Toujours des catholiques. Les catholiques, pour ce qui nous dérange, à part faire des guerres sans valeur. Ils font pas grand chose. Allez, on va du côté du soleil. Ah, alors attendez. Là, j'ai du monde. Là, j'ai un client. On laisse le temps remonter un petit peu. Et on va tomber directement sur. Alors, on a combien de femmes qui portent le nom d'adultère? Elle. Deux. On en a deux quand même, 2 sur 4 qui sont adultérines, donc bon, ça fait quand même beaucoup. Ouais, même pas de paix blanche, hein. Il considère qu'il va gagner, mais gagner je sais pas quoi, hein. Donc lui, il a récupéré la Saxe. Et donc, ça n'est plus lui. Ok. Lui, il veut récupérer la Norvège. On va faire un peu de ménage, je crois, dans ces choses-là. Et lui, il avait le titre de Saxe. Ok. Je sais pas où ils sont. Enfin, il est un peu suicidaire quand même. Hein. Ok. Alors je sais pas si on aura une prochaine, un prochain djihad ou pas. Je sais pas du tout.
Ouais, pas juste à Verglia qu'on rigole. On n'a pas encore les prises de points parce que justement on n'est pas, on n'a pas l'année de passé. Donc on a les Vaudois qui posent problème. Ok, on va pouvoir appuyer la revendication et il va pouvoir finir en tôle. Est-ce qu'on va arriver à le tuer cet homme-là? Parce que c'est bien gentil, mais... La religion indienne, ça m'intéresse pas. Ah, cet homme-là est décédé. Bien. On va pouvoir s'occuper du suivant. Sincèrement, ils ne prendront jamais mon territoire, quoi. Enfin, c'est... Comment ils peuvent espérer prendre quoi que ce soit, soyons logiques. Et guerre djihadique pour Telangana. Alors, le royaume de Telangana. Non, c'est ça, hein. C'est le royaume de Rashtrakuta, d'accord. Qui de jure fait juste ça. Donc, on pourrait récupérer ce petit compte, enfin, ce petit royaume perdu à l'autre bout du monde. Bon. Si mes vassaux l'obtiennent, bah tant mieux, qu'ils y aillent. Sinon, ça m'intéresse pas des masses, c'est un peu à l'autre bout du monde. Voilà, c'est à peu près ça hein, pour l'instant. Alors, on va pas trop s'ennuyer avec ça. Et on va pouvoir se laisser là. Est-ce qu'on va réussir nos différents assassinats? Ce qui serait assez marrant. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour la série. Hein. Comme je vous l'ai dit, on a réussi à repousser les Aztèques. On a. Mis à mal l'Empire mongol. Le dernier achievement qui reste, ça serait de prendre la Mongolie, donc le prendre le duché, enfin les duchés qui se trouvent ici, ce qui est relativement loin et ça demanderait, je suis pas sûr qu'en un siècle, enfin on pourrait réussir en brisant quelques trêves, en attaquant un petit peu à droite à gauche, en faisant des invasions sur la Finlande, la Russie, etc. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr. À commenter, hein, à partager la vidéo, partager les différentes séries, les différentes playlists. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mon Twitter pour suivre l'actualité de la chaîne, à venir me voir également sur les lives, hein, même si en ce moment c'est un petit peu calme. Dès que possible, je reprendrai les lives en mettant un planning beaucoup plus précis. Mais bon, pour l'instant, ça n'est pas possible en l'état actuel. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Et donc sur ce, au prochain épisode, à la prochaine série. D'ici là, portez-vous bien. Salut!